Au moins 500 personnes ont à nouveau manifesté vendredi soir dans les rues de Rio contre le mondial de football. Parmi les manifestants, des dizaines d'enseignants en grève depuis le 12 mai. Ils réclament tous une amélioration des services publics et dénoncent la Coupe du monde de football comme étant un vaste gaspillage d'argent public. Faço agora em fevereiro 30 anos de exercício na rede estadual de ensino. E nunca nesses 30 anos nós estivemos numa situação tão ruim quanto nós estamos vivendo hoje. À deux semaines de la compétition, la virulence de ces mouvements sociaux ne faiblit pas. Les autorités brésiliennes s'efforcent de leur côté de rassurer les visiteurs et les organisateurs de la FIFA, alors que tous les stades et infrastructures ne sont pas encore tous prêts. La Coupe du monde de football, c'est du 12 juin au 13 juillet.